Salut, salut! Et salut à toi, Haribo! J'espère que vous allez bien. Nous revoici pour un nouvel épisode d'Another Homepage. Comme toujours, je suis Nils. Et aujourd'hui, on va démarrer un nouveau sujet. Il y a toujours ce petit moment d'excitation quand on démarre un nouveau sujet. Et ce nouveau sujet, comme vous l'avez sans doute déjà lu en haut, ici, là, j'ai toujours un petit problème hein, de confondre la gauche et la droite avec le retour vidéo. Eh bien, comme vous avez pu le voir donc ici, eh bien, on va essayer de mettre en place un NAS avec un Raspberry Pi. Le voici, le voilà, le Raspberry Pi. Il a déjà deux clés USB d'accrochées à lui. On va voir un peu plus exactement de quoi il le retourne avant de s'y mettre. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle donc un nouveau stream du dimanche. Alors, déjà d'une, d'où me vient cette idée? Et je crois que j'ai un peu zappé le lien. J'ai zappé le lien pour vous montrer d'où venait cette idée. Alors je vais le rechercher tout de suite. Alors déjà d'une, on va commencer un peu, hein. On va décrire un peu ce que je veux faire. C'est en gros l'idée. C'est d'utiliser cet appareil. Alors, il est dans son comment dire, il est dans son boîtier. Le boîtier est un petit peu casse-pied à enlever, donc je vais pas l'enlever. Mais ce petit appareil, ça, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur et cet ordinateur s'appelle le Raspberry Pi. Il s'agit, dans notre cas de figure, de la version 2. Pour être exact, il s'agit de la version 2B, qui à ce jour est franchement obsolète, hein, on va pas se le cacher. Sauf que vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, se procurer des Raspberry Pi dernière génération est un véritable exploit. Comment dire, avec toutes les crises qui ont été liées au Covid. Eh bien, se procurer de l'électronique est un petit peu plus difficile. Et le Raspberry Pi, du fait, à l'origine de son prix d'appel défiant toute concurrence, il n'y en a plus en fait. Il y en a tellement de gens qui en veulent, puisqu'à la base, la carte seule, le premier Raspberry Pi a été vendu aux alentours de 35 dollars. Et donc, toutes les versions qui ont suivi, l'objectif, c'était d'avoir un petit ordinateur facile, qui soit d'une part petit, d'autre part qui soit utilisable avec des composants qu'on a déjà, c'est-à-dire généralement un clavier et une souris USB, ainsi que généralement, alors soit un écran HDMI, soit une télévision. Puisque au moment où le premier Raspberry Pi est sorti, c'était plus les télévisions qui avaient du port HDMI. Et il se trouve que, en plus de vouloir un prix qui soit accessible à tout le monde, eh bien, la fondation derrière ce projet a vraiment fait mouche sur ce produit. Alors, quand je dis que c'est un mini PC, attention, attention, ce n'est pas un PC avec un processeur Intel ou AMD. Il s'agit d'un processeur particulier, un processeur de type ARM, donc un processeur qu'on trouve plutôt dans une tablette ou un téléphone mobile. Salut à toi, Cool Freeze! Et ça fait partie des choses qui ont permis en fait l'essor j'ai envie de dire, de ce produit, puisque globalement tout est fait pour que autour, soit on a déjà quelque chose qu'on puisse utiliser avec, soit on peut se le procurer pour pas cher. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, on a donc, j'ai envie de dire, la carte elle-même, qui contient le CPU, la mémoire, et qui contient un certain nombre de ports d'entrée-sortie. Et qu'est-ce qu'on trouve? Donc on trouve déjà le port HDMI. Jusqu'à la version 3, on a un bon vieux port HDMI classique. Et on a ici un port micro USB. Si je ne dis pas de bêtises, parce que je confonds toujours le micro et le mini de l'USB. Et en fait, il se trouve que ce port micro USB, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le port utilisé par la plupart des tablettes et des smartphones dans le monde. À partir de là, ça veut dire qu'il est possible d'alimenter ce Raspberry Pi avec un chargeur de téléphone mobile. Salut pendant le slag!
Nils, c'est des nôtres. Il a fait son live comme les autres. Merci. Merci pour Danslag. Et donc, eh bien, ce petit ordinateur, qui fonctionne en plus sous Linux, pour ne rien... comment dire, pour en profiter encore plus, eh ben, ça a permis de faire pas mal de projets, que ce soit de la domotique ou d'autres. Ouais, pour ne rien gâcher, exactement. Pour ne rien gâcher, comme il fonctionne sous Linux, eh bien, on peut en profiter pour faire beaucoup de choses. Alors, pour l'anecdote, alors moi, j'en ai un. Alors, pas celui-ci, mais un Raspberry Pi 3 qui me sert, par exemple, de Media Center. J'en ai eu un pendant un certain temps qui me servait de petit VPN à la maison. Il y a des gens qui ont créé des cartes, parce qu'en plus ce qui est chouette avec ce petit appareil, c'est que si vous voyez là, il y a tout un tas de petits de petits comment dire, ici là on a toute la rangée de pins qui en fait sont des ports d'entrée-sortie type GPIO, si je dis pas de bêtises. Et donc ça permet de rajouter des cartes supplémentaires. Il y a tout un écosystème qui s'est créé autour. Il y a un autre port, je ne vais pas non plus la rouvrir. On peut même rajouter une caméra, on peut faire vraiment plein de choses. Et pourquoi pas, effectivement, un petit serveur NAS. Alors il y a des gens qui mettent une alimentation un peu plus péchue, pour mettre des vrais disques durs. Nous, on va pas s'embêter. Parce que déjà d'une, c'est un Raspberry Pi 2. Avec l'angle de caméra, t'as cru que c'était une prise Péritel? Oui, c'est les GPIO pendant ce lag. Une prise Péritel, punaise. Ah ouais. Oh punaise, le Péritel. Ah là là. Ah, le Péritel. Qui s'en rappelle encore? Et donc, moi, ce que je me suis dit, c'est pour pas me prendre la tête en termes d'alimentation, je vais juste utiliser des petites clés USB. Hey, on est c'est team rétro ce soir. On se souvient tous du Péritel. Donc oui, voilà, j'ai deux clés USB identiques qui font chacune 64 Go. C'est plus pour l'exercice, hein. Ce sont des clés USB 3, mais le Raspberry Pi, lui, il est juste USB 2. En tout cas, ce modèle 2B. Donc on va essayer de voir si ça marche, si les débits sont potables. Si on arrive à faire quelque chose avec. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas sorti un autre truc. T'es où ? Hop. Voilà. Le petit adaptateur micro SD USB. Parce qu'on va en avoir besoin, je pense. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé que lecteur DVD Péritel à la maison Cool Freeze ? Ah ouais, pas mal. Pas mal. Moi, ça me rappelle le magnétoscope, le Péritel. Et les premières consoles de jeux, bien entendu. Donc, il y a un gars qui s'est amusé à créer un NAS avec un Raspberry Pi. Et je me suis dit, tiens, ça vaudrait le coup d'être un vilain copiteur et de faire pareil. Enfin, faire pareil. Pas tout à fait. Si je vous montre un petit peu... hop, on va se mettre comme ça. Vous pouvez voir ici à l'écran, avec mon navigateur web, un article de chez minimachine.net, site que je vous recommande au demeurant. Et d'ailleurs, je vais aller mettre ce lien-là sur... Hop. Alors, désolé, il y a... pourquoi toi, t'es là? Pourquoi t'es pas ailleurs? Parce que d'habitude, vous voyez ça. Je dis, vous voyez ça. Voilà. Et là, vous avez rien parce que je vais le copier sur le Discord dans les liens du live. Hop. Et alors, ce qui est assez intéressant avec ce lien-là... Alors, premier ordi, Thomson TO770 avec la prise Péritel et le stylo optique. Oh, punaise! Ah ouais, tu rigoles pas pendant ce lag. Salut à toi, Krabs, j'espère que tu vas bien. Salut à toi, Mr. Slayer, j'espère que tu vas bien aussi. Bon, je vais pas vous lire en direct tout l'article, hein, mais ce qui est assez amusant, c'est que la vidéo YouTube dont il est question,
Il se trouve que voilà, c'est un Raspberry Pi à base, enfin c'est un NAS à base d'un Raspberry Pi 02W. Voilà. Et en fait, il a installé dessus, enfin il a rajouté, je crois, une clé USB. Voilà, il a rajouté juste une clé USB en fait. L'autre port USB ici, c'est l'alimentation. Et en fait, moi je me suis dit, mais ok, c'est cool, son truc il va consommer rien, il coûte vraiment pas cher. Mais en plus, il faut. Comment dire, le gars a l'air d'avoir une imprimante 3D, ce qui est quand même pratique pour pouvoir ensuite fabriquer son boîtier. Moi je me suis dit, écoute, j'ai quelques Raspberry Pi 2 qui traînent, j'ai des clés USB qui traînent, et l'avantage du Raspberry Pi 2 sur le 0W dont on voit là la capture d'écran, c'est que là moi j'ai plusieurs ports USB. Alors certes ça va peut-être consommer un peu plus, mais de toute façon je risque de le brancher à un chargeur de tablette par exemple, et normalement je devrais avoir assez de puissance. De plus, le Raspberry Pi qui est proposé ici sur la vidéo, c'est un Raspberry Pi qui est Wi-Fi uniquement. Et moi, en fait, le port Ethernet, ça me va très bien. Donc, voici un petit peu, j'ai envie de dire, l'objectif du stream d'aujourd'hui. Ça va être de mettre ça en place. Alors, niveau logiciel, les disques sont connectés à quoi sur le Pi? Alors, en fait, ce sont des clés USB Krabs. Voilà, j'ai deux petites clés USB là qui sont en fait des clés USB de 64 Go. Alors c'est des clés USB 3, le Raspberry Pi n'est que USB 2, mais c'est pas grave. Et c'est juste pour voir si je peux faire un petit peu de stockage redondé. À propos Raspberry Pi, on arrive à en avoir facilement maintenant, car pendant un temps c'était la pénurie. Ah ben ça l'est toujours. Ça l'est toujours pendant ce lag, et c'est la raison pour laquelle je fais le stream d'aujourd'hui avec un Raspberry Pi 2. Alors si jamais je me rends compte que c'est vraiment, vraiment, vraiment galère, j'ai un Raspberry Pi 3 sous la main, mais j'aimerais l'utiliser pour d'autres trucs avant. Donc quitte à choisir, je voudrais d'abord essayer d'utiliser le Raspberry Pi 2. Sachant que de toute façon le Raspberry Pi 3, et d'ailleurs je vais le sortir... Le Raspberry Pi 3, honnêtement, sachant que de toute façon, il est USB 2 aussi, il sera Ethernet aussi, c'est vrai qu'il a du Wi-Fi, il a un peu plus de patates, mais je ne sais pas s'il y aura vraiment, vraiment beaucoup de différence de performance, en fait. De toute façon, tu partages le bus entre la NIC et l'USB, ça, sûr que tu récupères du... GB. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Effectivement, le bus USB est occupé déjà par l'interface réseau filaire. Dans le cas du Raspberry Pi 3, il y a l'interface Wi-Fi. Donc, dans tout ça, voilà. Sur mon Pi, j'ai mis un SSD, c'est bien mieux qu'une clé. Ah, je dis pas le contraire, mais je suppose que ton SSD, il doit venir utiliser quand même pas mal d'énergie. Donc je sais pas si tu as mis un SSD avec deux ports, enfin avec un câble en Y pour pouvoir avoir l'énergie du SSD d'un côté. Il est alimenté par l'USB? Ah ouais. Donc tu dois avoir une alimentation qui est sacrément performante, puissante. Alors je crois que sur le Pi 3, ils sont seulement à 300 mégabits par seconde. Mais ne me... C'est sur le Pi 4 qu'ils ont découplé? Ok, c'est cool. Après, de fait, la consommation d'un Pi 4 est bien plus élevée. Ok, juste un seul. C'est cool si le SSD tourne comme ça. Après, là, entre guillemets, l'avantage, c'est que là, honnêtement, pour ce soir, j'ai déjà tout, en fait. J'ai déjà tout, et en plus, comme j'ai deux clés USB identiques, je pourrais faire de la redondance. Le but n'est pas d'avoir des IOPS de fou. Mais ça peut être l'occasion de vérifier si les IOPS sont corrects pour du petit fichier. Alors, maintenant qu'on a un peu la partie matérielle, on va plancher un peu sur la partie logicielle. Et la partie logicielle... Alors,
Justement, c'est peut-être un truc qu'on verra, je pense. Effectivement, ce que je disais pas, c'est que pour ce petit appareil, le système d'exploitation va tenir sur cette petite clé USB. Enfin, pas clé USB, mais cette petite carte micro USB. Alors, Krabs, tu n'es pas loin du compte, puisque, à mon avis, la solution que j'ai choisie se base sur MDADM. En fait, la distribution grand public la plus connue pour le Raspberry Pi, ça reste entre guillemets le Raspberry Pi OS. Et pour l'anecdote, le Raspberry Pi, l'OS Raspberry Pi est basé sur Debian. Et il y a des gens qui ont créé un système, comment dire, un système basé sur Debian qui s'appelle Open Media Vault. Et ce Open Media Vault, figurez-vous qu'il a été porté sur Raspberry Pi. Et donc, il existe une documentation chez omvextra.org pour installer Open Media Vault sur un Raspberry Pi. Et figurez-vous que, hop, et puis je vais vous mettre ça dans les liens du live aussi. Eh bien, figurez-vous que ça fonctionne à partir d'un Raspberry Pi version 2. Voilà. Partir de 2B. Donc ça tombe bien parce que bah on est au, comment dire, on est sur le setup voilà, on est sur le setup supporté. Les Nano Pi R5S de Friendly Alex sont une bonne alternative. Emplacement SSD interne et 3 RJ45. Ah ouais, pas mal. Mais faut pas les acheter à l'unité. Pas de distributeur en Europe parce que tu sais. Ok, bon à savoir, Haribo. Pour être honnête avec toi, je n'ai pas acheté de Raspberry Pi depuis un bon moment. Quand le 4 est sorti, c'était déjà tellement la galère. En plus, ils ont sorti différentes versions du 4. Et de fait, c'est un peu plus cher. Donc, à voir. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu le... Comment dire? Je n'ai pas ressenti le besoin. Je sais que le 4 permet de virtualiser, ce qui est assez classe. Mais ce qui m'embête aussi avec le 4, c'est que effectivement, on se retrouve avec quand même un besoin en énergie qui est plus conséquent, je trouve. Voili, voilou. Donc, voilà, l'objectif ce soir, ça va être d'installer tout ça. Et on va pouvoir ensuite aller voir si on peut mettre nos deux clés USB en RAID et si on peut aller poser des fichiers dessus. Et que ça ne se traîne pas trop. Alors, le premier truc que je vais faire, c'est je vais imager le Raspberry Pi. Et pour cela, je vais installer RP Imager. Alors, sudo dnf-y install rp-imager. Hop là. Et pendant ce temps, est-ce que j'ai... Ouais, ça, j'ai... Hop, on va ressortir ça. Hop. Je suis en train de mettre la carte micro SD dans mon adaptateur. Dans mon adaptateur USB. Voilà, c'est fait. Et je vais brancher ça. Allons-y. Alors, pourquoi est-ce que il ne me... Alors, pendant que ça tourne, on revient ici. Ça, c'est toujours sur le workspace. Ça, c'est... toujours sur le workspace aussi. Voilà. Bon, à savoir, après, je suis passé sur TrueNAS et ZFS. Ok, alors, TrueNAS et ZFS, c'est aussi ce que j'utilise, mais c'est pas le même type de machine. Cool Freeze, j'ai récup un disque dur avec NAS intégré. Il faut que tu regardes quand tu auras le temps. Il est fort probable que ce soit sans doute un truc à base d'OpenWRT dedans. Et que peut-être par chance tu puisses flasher un vrai OpenWRT dessus. Il y a une grande époque où il y a des gens qui faisaient ça. Je me rappelle le genre d'un truc de chez Linksys qui était assez petit. Et il suffisait de brancher un disque dur en USB dessus. Donc c'était assez marrant. Par contre, c'est intéressant le sujet du soir, depuis le temps que tu aimerais faire ça. pas de soucis, Mr. Play Slayer. Alors, oui, il a installé RP Imager. Alors, ce que je vais faire... Hop, on a un disque... Hop, l'utilitaire de disque de Gnome, qui est là. Hop. Pour le principe, je vous le montre. Hein.
Compact Flash Card Reader. Ce que je vais faire, alors il y a déjà plus ou moins des choses, mais hop, Free Space, ok, cool. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par formater la clé, enfin la clé, la carte mémoire. Format disque, paf paf, très bien, ouais, c'est bien ça. Voilà. Donc, c'est une carte mémoire qui fait 8 Go. J'ose espérer que ça devrait suffire pour l'OS. Ensuite, je lance RP-Imager. Alors, c'est en gros l'outil officiel de chez Raspberry Pi. Hop. Le voici, le voilà. Choose OS. Eh ben, Raspberry Pi, c'est celui-là, mais pas en desktop. Donc, autre image en light. C'est très bien ça. Voilà. Donc, je le prends en 32 bits parce que le Raspberry Pi 2 n'est que 32 bits. Choose Storage. La voici. Et on a la petite roue crantée en bas. Et on va dire set hostname. On va l'appeler comment? Comment est-ce qu'on va l'appeler? Je vais l'appeler Naspi. Ah, ça fait nom d'aspirateur, ça. Alors, Krabs, je pensais que j'y viendrais le moment venu, mais il semblerait qu'il y ait des petites optimisations à voir sur ce sujet-là, concernant les écritures des logs. Et sur OpenWRT, oui, OpenWRT, c'est vraiment un projet assez sympathique. Salut à toi Arthur le Viking, j'espère que tu vas bien. Si je l'appelle Pinasse, ça passe? Ça fait pinard, non? C'est moche. Notespie. On va l'appeler Storpie, tiens, allez, Storpie. Non, ça fait pas torpille. Peanuts. Peanuts. Vie. Ah là là. Ah là là, ça y est, c'est parti. Je vous rappelle que l'open bar, c'est avec Emile et c'est le mardi soir. Hein. C'est pas ici. Ici, c'est sans alcool. Alors. Je sais pas, moi. Ouais, j'aime bien Peanuts. Allez, on va faire ça, Peanuts. On mélange juste tes lettres et on prédit tes efforts. Donc, pain. En anglais, pains. Oh! J'ai envie de croire que ça va pas trop mal se passer. Ce sera mon épitaphe. Mais Peanuts, j'aime bien beaucoup. Allez, Peanuts. Ça me fait penser à Snoopy, c'est marrant. Enable SSH, oui. On va faire un enable SSH. On va autoriser l'authent à clé publique. Il a déjà récupéré visiblement une de mes clés publiques. C'est cool. C'est cool. Oh punaise, vu la longueur, il a récupéré une clé RSA. Hein. Je sais même pas si j'ai une clé ED25519 là-dessus. Je veux dire, pour la faire courte, une clé courbe elliptique. Ouais, c'est la clé RSA. Ok. Set username and password. Ce sera Nils en lieu de Pi. Et password, bah, vous savez déjà ce que je vais mettre. Hein. C'est un classique. Alors, je ne vais pas configurer de wireless LAN. Pour une raison très simple, c'est que on est sur un Raspberry Pi 2, donc il n'y en a pas. Local settings, Europe Paris, non, je vais mettre ETC, UTC. Hop, t'es où? Europe, Europe. US, non. Europe. ETC, voilà, ETC, UTC, voilà. Ensuite, play sound when finished, eject media, nana, enable télé. Non, pas la télémétrie. Pas la télémétrie. Hop, save. Et ensuite, direction. Toutes les données sur la clé vont être effacées. Est-ce que je veux continuer? Oui! Allez! Salut à toi, Fips. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Voilà, ça c'est le moment où on attend un petit peu et on va espérer que tout se passe bien. Je suis en train de me poser la question, c'est j'ai démarré le live sans vérifier un truc. J'ai démarré le live sans vérifier si la carte d'acquisition, elle est la diode de la carte d'acquisition est bonne.
Alors, Krabs, pourquoi pas Europe-Paris? Alors, c'est une habitude que j'ai prise de mon ancien taf, qui est de, quand j'ai un équipement qui va être de type serveur, de toujours le mettre en UTC, parce que comme ça, il n'y a pas de changement d'heure. Donc ça veut dire qu'il y a perpétuellement un décalage, effectivement, entre la machine et j'ai envie de dire mes postes de travail. Mais Europe Zurich. Je ne sais pas si à Zurich il y a comment dire, il y a une heure d'été et une heure d'hiver. Mais ça me permet d'éviter voilà, les changements d'heure avec on a une heure d'été, une heure d'hiver, et des fois l'horloge de la machine recule. C'est un choix, hein. Après, voilà, je comprends que honnêtement, pour un as, on peut très bien ne pas se prendre la tête, hein. Mais voilà, maintenant pour tout ce qui est équipement serveur, type serveur, alors je sais pas si on peut vraiment appeler ça un serveur, hein, mais voilà. Oh tiens, il y a le reflet du. C'est marrant. Alors, qu'est-ce que ça fait là, ça? Je crois que oui, des fois, quand tu as des applis qui écrivent dans certains logs, mais honnêtement, j'ai rarement vu des problèmes. Après, tu peux avoir peut-être aussi tes statistiques quand tu as un serveur web, quand tu veux faire du. Quand tu veux faire du. Alors, tu lui colles un up-up, tu lui files un plateau, ça fait un serveur. Salut à toi, Zeu. J'espère que tu vas bien. Belle entrée en matière, j'aime beaucoup. Tu lui colles un up-up, tu lui files un plateau, ça fait un serveur. Alors, pour le coup, je ne sais pas, je suis pas familier de Keycloak et de Samba AD, donc je ne saurais pas trop vous dire. Allez, on y croit à 95%. Alors, je dois avouer que. Ah, cheville en vrac. Oh, je compatise. Moi, en ce moment, c'est le genou. C'est le genou, et ça m'avait jamais fait ça avant, le genou. Et je t'avoue que ça m'a fait bizarre. Donc, je compatis pour la cheville. J'ai déjà aussi donné pour la cheville, donc je compatis vraiment. Et. Ouais, c'est ça, voilà, une de plus. Il n'y a plus qu'à écrire, il n'y a plus qu'à faire un petit trait sur le comment dire, sur le mur des entorses. Encore que hein, je touche du bois, ça fait un petit moment que j'ai pas eu d'entorse, mais au moins la cinquième. Bon bah, je suis vraiment je suis désolé pour toi, franchement. Operating system, dinotmut FAT32. Oui, bah c'est pas grave. Hein. Hop, on va juste. Tiens, on va vérifier que sur le truc disque, au moins, il m'a refait les. Hop. Free space. Oh, ça m'embête. Est-ce que la carte mémoire serait dead? On va éjecter ça et puis on va vérifier. Alors, le retour de la carte mémoire. Si c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Ok. Allez. On éjecte. On éteint. Voilà. Ensuite, on va mettre ça dedans. On va le brancher au réseau. On va brancher ça aussi, on sait jamais, sur un malentendu, on pourrait avoir un truc à l'écran. Hop. T'as raison, casse-toi la figure, tant que tu n'emmènes pas mon casque, tout va bien. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'allumer. Alors, ce que je vais peut-être faire, je vais me mettre. Où est-ce que j'ai la carte de capture? Hop, ici. Et on va espérer que la carte de capture nous renvoie quelque chose. Hop.
Alors, joie des diodes, c'est plutôt bon signe. Ah bah si, il se passe quelque chose. Ok, c'est cool. Nils content. Alors, il est en train de générer les clés SSH, donc ça va prendre un petit peu de temps, ça déjà. On va le laisser faire tranquillou. Et pendant qu'on le laisse faire tranquillou, moi je vais faire un autre truc en supposant que j'ai toujours l'application sur mon téléphone. Il existe une petite application pour tablette et smartphone. Ah tiens, je l'ai pas. Bon, bah je l'installe. Qui s'appelle Thing et qui est pratique puisqu'il permet de détecter un peu tout ce qu'on a sur le réseau. Sur le réseau auquel il est connecté. Et ça permet notamment de voir les machines, leurs IP, leurs adresses MAC. Et comme on a les adresses MAC, et ben on a aussi enfin les vendeurs, les vendors, donc les fabricants des cartes réseau associées. De fait, si je vois une machine, si je vois une machine qui s'appelle Raspberry Pi, enfin qui est soi-disant faite par la Raspberry Pi Foundation, je peux raisonnablement me dire que c'est soit le petit Raspberry Pi que je viens de brancher, soit mon Media Center. Alors, rechercher des appareils. Alors, je ne vous le montre pas, forcément, parce qu'il y a plein de machines sur le LAN. Please enter new username. Je croyais que je t'avais mis un username tout à l'heure. Alors, t'es où? T'es où? T'es où? 218. Donc, si je tente un SSH, alors on va se passer. On va revenir sur ici et on va espérer que ça passe. Raspberry Pi OS, c'est basé sur Debian. Alors, j'ai dit 192.168.6.218. Connection refused. Ping. Est-ce qu'au moins le ping passe? Le ping passe. On va revenir sur la carte de capture. Oui, mon install, elle est basée sur RPOS. Tout à fait. Tout à fait. Je pensais avoir tout mis en place correctement. J'ai utilisé RP Imager. Hop, j'avais fait ça. Alors, attends, tu vois pas. Hop. Ben ouais, mais en fait, ce qui m'embête, tu vois, là, regarde, je me mets en. Je refais la même chose que j'ai fait avant. Donc, bon, il me propose pas. Ah oui, le storage, je peux pas. Normal, mais si je reviens dans les trucs. Alors, je vais agrandir. Tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, hey, au fait, je mets un username et un password. Donc, si ça n'a pas fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné, je vais être un peu embêté. Alors, je vais sortir le clavier. J'aurais peut-être dû mettre le clavier en français. Alors, voyons voir si au moins ça passe. Et on va se remettre. Si je flash avec Balena et Cher, c'est toujours les mêmes defaults. Ok. Peut-être que RP. Ouais, effectivement, on va voir. Je vais repasser sur la carte de capture. Under voltage detected. Ouais, il aime pas avoir les. Hop. Allez, si je l'appelle Nils. Alors. Voilà. Password did not match. C'est pas grave. Ça devrait être mieux. Alors, je le vois pas et ça m'enquiquine un petit peu. Ah si, ça a l'air bon. Ok. Salut Manon, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Alors, on va reparler à la carte de capture. Hop. Voilà, là on est mieux.
Et pendant ce temps, lui, il nous fait quoi? Donc il ping toujours, mais le SSH toujours nope. Mais forcément, il est en train de checker tous les file systems. Si j'avais su, je serais resté avec une Alpine, hein? Mais j'aurais pas pu installer OpenMediaVault. Salut Nidouille, j'espère que tu vas bien. Ah, il y aurait un truc, il y aurait un truc. Ok, il y avait le login, d'accord, je pouvais attendre. Eh ben, Nielsen. Ok, c'est bon, je suis logué. Oh bah mince, Manon qui est malade. Bon, heureusement, Nido, il va bien. Ouf, c'est toujours ça. Manon, tu attends le bus dans le vent et le froid. Oh, ma mince alors. Comme d'habitude, en fait. Courage. Courage, Manon. J'espère que... Enfin... On est fin février. Dans un mois, c'est le printemps. Courage, Manon. Il n'y avait pas une commande RP. C'était quoi? C'était pas RP setup? Non, c'était pas setup. Tu es une warrior. Ah, c'est bien maintenant. Il n'y avait pas un setup spécial pour les Raspberry Pi? J'utilise jamais Raspbian. Raspi config. Ok, merci. Merci Krabs. Allons-y. Raspi. Raspi config, voilà. Bah sudo. Hop, alors. Système option. Wireless, non. Audio, non. Password, non. Hostname. Ouais, hostname, carrément. Nia nia nia. Alors, on va l'appeler. On avait dit Peanuts. Tu viens faire un peu de pub pour le live de l'urgent? Ouais, il n'y a pas de souci. Il y aura un dev Debian d'invité à 21h. Ah bah. C'est cool ça. Interface option. Ouf, ce sera très bien. Performance. Overclock, peut-être pas. GPU memory. GPU memory, on va dire 32. Et localization, ça va parler de Debian et du nouvel. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un nouvel installateur. Il faudra que je jette un œil à ça. Configure local, time zone. Local, je voulais rester en US de toute façon. All local. Oh punaise. Oh punaise. Alors, ENGB. Je prends le ENUS. UTF-8. Voilà. Et on va enlever le ENGB. Voilà. Bah figure-toi que Krabs, je m'en sers de temps en temps. Genre, on s'en est servi la semaine dernière, en fait. Bon, comme normalement les lives sont stockés pendant 15 jours. Tu devrais avoir. Alors, default local. C'est. Pourquoi il trouve plus ma tabulation là? Qu'est-ce qui se passe? Hop. Ah oui, alors je fais du un peu du. Ok. Option avancée, parce que après tout. Ouais. Ça, je m'en fiche.
Et les updates, je m'en fiche aussi. Would you like to reboot? Non, pas tout de suite. Bah alors? J'ai l'impression qu'il... Ouais, il me manque une partie de l'écran, mais j'arrive pas à savoir où ça. Ça m'enquiquine un peu, alors de fait, je suis obligé de jouer avec la carte de capture. D'accord, c'est qu'en fait, il avait pas tout dégagé. Hop, voilà. Alors. Ce qui m'intéresse, c'est de faire un sudo systemctl status ssh. Loader disable. Allez. On va dire enable tiret tiret now. Après tout, il les a générés les clés SSH. Hein. Voilà. Et maintenant. Et ben c'est plutôt bon signe parce que hop, je vais vous montrer ça. Tada! Allez, SSH keygen moins grand R. Ça. Ça veut dire que j'avais déjà une machine qui écoutait. Hop. Yes. Too many. Ah oui, bah oui, ça c'est mon classique. Faut que j'aille configurer mon client SSH. Parce qu'en fait, j'ai 8000 clés SSH. Et forcément. Host peanuts. Et il faut que je lui dise identities only égale yes. Il faut que je lui dise le fichier d'identity. Voilà. Mais a priori, la clé, il la connaît pas. Donc et hostname, on a dit que c'était 192.168.6.218. Hop, allons-y. Non, toujours pareil. Too many authentic. Ah oui, mais c'est parce qu'en fait, je lui balance une clé, il en veut pas. Je vais me connecter depuis une autre machine. Je vais me connecter depuis une autre machine. Parce que sinon, ça va pas le faire. Alors. Voilà. Ok, je suis dessus. Point SSH. Ah, il n'y a pas de point SSH. Ok. Alors, ce que je vais faire, SSH copy ID sur cette IP-là. Voilà. Parfait. Maintenant, il me réclame à nouveau le... Tiens, c'est étonnant, ça. C'est étonnant, mais... Ok, au moins, il est là. Et... On va pouvoir mettre ma petite clé qui va bien. Hop. Voilà, ça c'est bon. Et voilà, ok, comme ça on s'embête pas plus. Alors, donc la bonne nouvelle, on est connecté. Est-ce qu'il y a un tmux là-dessus? Tmux commande notre farm. Sudo apt update. Alors je pense que je vais faire un truc pour me faire un peu gagner du temps. Je vais désinstaller un certain package en question. Il y a un certain package que je veux supprimer. On va espérer que ça me fasse pas trop d'ennuis. Voilà, bon, il va m'annoncer qu'il y a 8000 packages à mettre à jour, bien entendu, hein. Parce que sinon c'est pas drôle. Oh, seulement un package? Ça va.
Sudou a pété Purgim. Alors, non, absolument pas, Haribo. Absolument pas. Ce que je veux, a pété Purge man-db. Ouais. Hop. Alors, pourquoi est-ce que je veux supprimer man-db? VI, il est dispo. VI, il est. On vient de faire une édition de fichier texte. Est-ce que c'est le VI... J'ai pas fait gaffe. Alors, Haribo, au-delà du fait qu'on ne fait pas de man sur un serveur, je me suis rendu compte d'un truc. Quand mandb est installé, il se trouve que à chaque installation mise à jour de paquet logiciel, il y a une réindexation des pages de manuel. Et cette réindexation prend du temps. Elle prend du temps et ça occupe des IO disques. Donc, sur une machine comme le Raspberry Pi, honnêtement, je préfère encore faire mes man dans un navigateur. Quand je m'y connecte à distance sur Raspberry Pi. Donc, sudo apt install tmux. En vieillissant, je tends à penser que la doc d'un package devrait être dans un package séparé comme les sources. Haribo, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord. Nidoui, qui n'avait jamais pensé à ce détail du man. En fait, sur un serveur de production, j'estime que la doc n'a rien à faire. La doc n'a rien à faire sur un serveur de production. Alors, vous me direz, aujourd'hui, on a des gigas et des gigas d'espace. Mais déjà d'une, ça prend de la place. Ensuite ça peut faire, comment dire, effectivement il y a cette histoire. C'est exactement ça, Haribo. On n'installe pas ce qui n'est pas censé servir. Mais j'ai déjà eu des cas de figure à Haribo où on m'a répondu non mais Nils, c'est quand même super pratique de pouvoir faire un man quand t'es sur la machine et qu'il est, je sais pas moi, 2h du matin. Ça veut t'enlever PHP? Ah, c'est bizarre, Mr. Slayer. Je suis assez surpris. Qui lit la doc de toute façon? Le man, on le fait sur... Alors, ce qui est marrant, c'est que... man, comment être? Non, je pensais... Parce qu'en fait, si je fais un petit dpkg moins liste, pas grep man... Hop, il reste quand même des trucs. Je crois qu'il reste des trucs, malgré tout. Voilà, manpages. Et manpages-dev. Allez hop, sudo apt purge. Manpages-dev. Et après, on va se mettre à installer OpenMediaVault. Tu es au chaud pour 30 minutes dans le bus. Manon, tu m'envoies rassuré. Ouf. Ouf. Alors. Un portable à côté aura pas forcément la même version. C'est valide. Je comprends tout à fait l'argument. Hein. Après, j'ai envie de dire aujourd'hui. tu déconseilles d'enlever le LAN. Elle est pas mal celle-là, Manon. Bravo. Bon, alors, Tmux. Ok, voilà, on a un Tmux, on sait jamais si ça coupe. On sera toujours dans le coin. Alors, allons-y. Tiens, un autre truc que je voulais voir. Sudo fdisk-l. Ok, on a un dev sdb qui fait 57 Go, un dev sda qui fait 57, et on a un dev... MMC BLK0, donc ça c'est notre carte mémoire. Ça, ce sont nos deux clés USB. Et on va pouvoir commencer. Pour ce qui est de la version, des problématiques de version, je pense qu'à partir du moment où on est capable d'aller regarder un man sur une autre machine, on est capable aussi de vérifier la version, en fait.
Alors, prérequis, Raspberry Pi OS, donc ça c'est fait. SD formateur, bon bah machin, Putty, ouais bon, ok. Pour une meilleure expérience, utilisez seulement des cartes SanDisk ou Samsung qui sont en classe 10. Je crois que c'est le cas. Donc ça, la clé, c'est formaté. On installera le Raspberry Pi OS. Note de préinstallation, ouais, ok, Imageur, ok. Donc ça, on l'a fait, hein. On est tranquille. Set username and password will be checked due to enabling SSH. Pas is... Ok. Ne pas configurer le wireless LAN. Ouais, bah ça, de toute façon, on n'en a pas. Premier boot. Ok, ça, on a récupéré notre machine, notre IP. Ok. First time logon. Jusque-là, tout va bien. Les mises à jour. Allez, pour le principe, parce qu'il m'a dit qu'il y avait un package. Hop, allez, pendant qu'il met à jour, seulement sur les modèles 3, il y a un truc. Ouais, bon, ok. Voilà, installer Open Media Vault. Alors, en l'occurrence, là, on est sur des cartes mémoire, donc je sais pas ce que ça vaut. Catégorie vrai read-only, même en... Alors, de toute façon, The, c'est très simple. Une carte mémoire, c'est un stockage qui est notoirement, comment dire, faillible. Et les clés USB aussi. Donc, il faut considérer que c'est du consommable, que c'est du jetable. Donc, à partir de ce moment-là, si tu veux que, enfin, si tu veux un. Si tu veux compter sur une machine dont le système d'exploitation est installé sur une carte SD, j'ai envie de dire, aie toujours une carte SD neuve, prête à être imagée, quelque part, à côté. Catégorie passée en RO avant d'avoir vraiment pu l'utiliser. J'ai envie de dire, il y a deux solutions. La première, c'est tant pis, t'as perdu quelques euros. La deuxième, c'est bah, tu vas chouiner au magasin et tu te fais rembourser. Et c'était une série complète. Ah oui, bah alors là, dans ce cas-là, ouais, faut chouiner auprès du magasin, du fabricant et se faire rembourser. Là, c'est juste. Ce qui manque sur les Raspberry Pi, c'est de la mémoire eMMC. L'une des raisons pour lesquelles tu ne prends pas de Raspberry Pi, Nidouille. Je sais pas si la mémoire eMMC, c'est beaucoup mieux. Je n'ai pas d'expérience en termes de longévité de mémoire eMMC. Je trouve que les Raspberry Pi, quelque part, c'est peut-être un avantage qu'ils aient pas de mémoire eMMC. Pour une raison très simple, c'est que, bah, effectivement, la carte mémoire est morte, t'en prends une autre. Et le truc, c'est que si elle avait une eMMC et que le eMMC finit par s'user, et ben, la mémoire est inutilisable. T'as un morceau de la machine qui est inutilisable, et c'est dommage. Si tu prends des cartes de qualité, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Alors attention, Fips, parce que j'ai déjà vu des cas de figure pour celles et ceux qui ont une sonde du RIPE, une sonde de Atlas. Il y a eu une époque où justement les sondes Atlas avaient justement des cartes mémoire volontairement de, enfin pas des cartes mémoire, mais des clés USB volontairement de qualité. Qui justement passait en read-only parce que il y avait une raison X ou Y qui les faisait passer en read-only. Le MMC, il y en a sur les RP en carte. Ah bah oui, forcément. Il y a le BIOS, je crois, enfin le BIOS ou le petit firmware, quoi. Bref, allons-y. Est-ce qu'on a les mises à jour? C'était quoi le package à mettre à jour? Libtif5. Ouais, ok. Juste par curiosité, sudo app auto-remove. Tic-tac, tic-tac. Non, c'est bon. Ok, on est bon. Alors, j'aime pas faire les wget pipe sudo. Qu'est-ce qui nous fait ce script? Ah oui, sur les compute modules. Oui, effectivement. Avoir plusieurs projets sur plusieurs SD et juste avoir switch les SD au fil des besoins.
Tu habites à 100 projets. Pas mal. Shell check dis... Ah oui, d'accord, ok. Il dit used from, ok. Oui, forcément, faudra le faire en tant que route. Bon, il n'y a pas un RM ou un RF qui se plante quelque part. Non. Il y a un DRM moins élevé, mais bon, ok. Ok, allez, on va remove Armbian, mettre plein de failles de fois. Ok, bon. Allez, ça se tente. De toute façon, c'est pas une machine de production, j'ai envie de dire. Forcé IPv4 only, ok. Ça, c'est un peu limite, hein. Non, j'aime pas. Enfin, oh bah si, je vis un peu dangereusement quand même. J'ai pas lu le script tout en entier. Enfin, après, il est déjà 19h07. On est déjà à mi-stream. Curl un script.ru et pipe sudo bash. Alors, Krabs, jamais sur une machine de prod. Et même, je suis même pas sûr d'oser le faire sur une VM parce qu'on sait jamais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme exploit d'échappement de VM. Je le ferai jamais, ça, je pense. Enfin, je le ferai jamais. Je dis pas à Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, mais. Mais je suis pas rassuré. Seius monit 6v init core default mt. Ah, c'est des paquets suggérés. Ah, remarque, si, je pense que je sais pourquoi il installe monit. C'est sans doute pour pouvoir faire des graphes et des trucs de justement de monitoring, de métrologie et de supervision. Parce que bon, l'idée c'est quand même d'avoir une jolie interface web un peu sympa. Bien, 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 bien. Il va prendre son temps par curiosité. Si je fais un petit top. Voyons voir. Load average 1,58. Ok. Donc forcément, il est en train de faire des apt-get, c'est logique. Est-ce qu'il y a IOTOP là-dessus? Non, IOTOP n'est pas installé. Sudo. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? IOSTAT. Sudo moins li d'ailleurs. Voilà. IOSTAT peut-être, non? Non plus. VMSTAT. Je crois que c'est ça, non? Ouch le CPU. Ouch le CPU. Ouais, bah écoute, ça me semble pas déconnant. Il en est où? Il est en train de. Ok, il a fait un... il est allé configurer postfix. Pourquoi? Salut à toi, Kamel. Bienvenue. Oui, il s'agit effectivement de la config de mon PC de stream. Effectivement, Krabs, sans doute des emails d'alerting. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Une fois que le nanana, click out of the... Que le script ne soit pas interrompu. Ne fermez pas Putty. Minimiser. Oui, bah oui, normal. C'est bien pour ça que je l'ai lancé dans un Tmux. Dépendant de nanana, ça peut. 30 minutes! Sérieux? 30 minutes? Et B? Si j'avais su, j'aurais prévu un stream de 3 heures, moi. Surtout qu'il dit même pas où est-ce qu'il en est dans le. Bon, 70% idle sur le CPU. Load average 2,04, il est en train de faire du DPKG, ok. Ah, removing, oui. Ah, il fait un peu le ménage, c'est gentil.
ça pourrait être intéressant de faire la comparaison avec un Samba NFS plus MDADM from scratch. Oui, effectivement, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. C'est pas forcément ce que j'ai prévu de faire, mais ça peut être intéressant, effectivement. J'ai d'autres Raspberry Pi V2, donc je pourrais envisager d'en avoir deux installés en parallèle avec le même Raspberry Pi OS et puis installer OpenMediaVault d'un côté comment dire, et juste le faire à la main avec effectivement un Samba ou Après, j'aurais plus tendance à le faire sans MDADM. Pour une raison très simple, c'est que ça me permettrait d'éviter d'avoir à acheter 4 clés USB identiques. Parce que là, avec juste les deux, une sur chaque Raspberry Pi. Après, modulo l'usure sur la clé USB, ça peut jouer aussi. OpenMediaVault, c'est l'usine à gaz. Ça dépend. Ça dépend. Justement, c'est l'idée. C'est de voir à quel point c'est une usine à gaz et voir si ça tient sur un Raspberry Pi 2. Je m'attends pas à des perfs de ouf, pour être honnête. Mais si le truc arrive à être stable, ce sera déjà pas mal. Je serai déjà content. Bon, après, il n'est pas tant en PLS que ça, il avance, hein. Il n'est pas rapide, hein. Faut se rappeler que c'est un Raspberry Pi 2, hein. 2,95. Ah, ça monte un peu, hein. Ça monte un peu, ouais. Il est en train de tirer sur la carte SD, là, et à fond. Je dois avouer que côté. Comment dire, côté. Côté interface. Comment dire, côté qualité de l'interface. J'apprécie beaucoup Trunas. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Alors, le raid 1, tu gagnes x2 en lecture, mais pas sûr que ça soit utile. C'est surtout la sécu. C'est exactement ça. C'est ce qui m'intéresse, Krabs. C'est avoir de la redondance. Il y a d'autres outils aussi auxquels je pense pour gérer une machine et du stockage. Je pense à Cockpit aussi. Est-ce qu'il y a des solutions NAS basées sur du RPM? Alors, Mister Slayer, j'étais en train de penser, il existe un truc. Ah oui, c'est vrai, tiens, Nidouille, t'avais une liste. Alors, Cockpit, ça fait beaucoup de choses, Krabs. C'est capable de gérer le stockage aussi. Nidouille, je veux bien que tu nous partages la liste, s'il te plaît. Puis tu pourras en profiter pour faire de la pub pour ton site perso. Parce que je t'avoue que là, j'étais en train de chercher justement sur ton site. Hop. Voilà. Allez. Donc n'hésitez pas à aller faire pointer votre lecteur de flux RSS chez Nidouille. Tiens, tu sais quoi? On va même le rajouter dans les liens du live. Hop. Voilà. Donc, distribution NAS SAN AMAI. Ah bah carrément, si tu veux rajouter des trucs. Oui, ok. Ah oui, OpenFiler, ça me dit un truc, ça. Galerie, hop. Disk pooling. Ok, one click ops, easy backup, file sharing, ouais. J'appelle pas ça. OpenFiler, c'est mort? Oh, et puis alors déjà la tête du truc. Ça date de quand? Support by en plus.
Downloads. 86, 64. Version 2.99. Tiens, on va aller faire un truc, on va aller regarder chez DistroWatch. Rockstore, tiens, ça me dit un truc et je crois que ça fait partie des choses que j'avais envie de regarder aussi. Alors, déjà DistroWatch, et si je cherche OpenFiler chez DistroWatch. OpenFiler. Alors, système d'exploitation basé sur RPath Linux. Test chez Linuxoid. Ouais, mais il dit pas de... Ah, si. La dernière version date de... Oh, 2011. 2011. Ah ouais, ça fait mal. Ah, le projet est mort, quoi. Salut Alain B, j'espère que tu vas bien. Il est mort depuis qu'il s'est toute l'heure d'émission. Pas mal. Pas mal, Manon. Bien joué. Hop, Rockstore. Allons-y. Ah non, je pensais pas à ça. Je pensais pas à ça, mais ça a l'air sympa. Ah, c'est basé sur BetterFS. Ok. Je pensais à un autre truc, en fait. Au lieu de Rockstore. T'as peut-être le nom, Nidouille. Mais... Est-ce que tu vois le projet qui justement est basé sur Cockpit, qui a été créé par les gens de chez 45 Drives, les gens qui font les Storynator. Ils ont créé un genre de plugin pour Cockpit pour gérer justement les NAS en se basant justement sur le matériel des Storynator. Hop, alors, t'es passé où l'interface? Voilà, t'es là. 2,68 de load. Et B. Tiens, il m'installe PHP 7.4. Alors. GitHub, allez, copie, hop, te revoilà, mais non, c'est pas ça que je veux, je dis copier, non, il en veut toujours pas, allez, github.com/, ah, remarque, non, attends, j'ai fait, non plus, si je fais ça, je fais ça et que je fais ça. Voilà. Ah là là. Oups là. Pardon, le micro. Donc. Cockpit hardware. Un module cockpit qui permet d'afficher. Ah oui, mais ça, c'est les informations matérielles. Ok. Ah, c'est disponible non seulement pour les RPM, mais aussi pour les DAB. C'est cool ça. Ok, mais à mon avis, c'est. C'est quand même énormément centré sur leur propre matos, logique. Mais voilà, c'est quand même assez classe. Quand tu vois que le truc qui te permet de te localiser les disques, enfin, c'est assez classe. Franchement, c'est super classe. Ouais, il y a carrément un truc qui permet de voir le... Ah putain, ça... Allez, on refait la même. Ah oui, les applications de cockpit. Et donc normalement, on a un truc sur le stockage. Voilà, storage. Bon, alors, les sources, forcément, ils montrent le projet cockpit. J'ai pas de cockpit sur une machine de test que je pourrais vous montrer. Mais... Ah, voilà. Ça dépend des cartes mères. Ok.
J'avoue, c'est assez classe leur truc, hein. Houston Command Center. Ok, ça c'est classe. Alors, où est-ce qu'il en est le... Ah bah très clairement, j'ai l'impression que Cockpit a l'air d'être beaucoup plus... comment dire? En termes de, en termes d'interface graphique. Bah alors. Je suis un peu embêté parce que là, le Raspberry Pi il doit vraiment être en PLS parce que j'arrive même pas à switcher de fenêtre Temux. Mais pour celles et ceux qui ont connu la grande époque de Webmin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une différence non négligeable entre la tête d'une interface cockpit et la tête d'une interface Webmin. Ah d'accord, c'est pour ça que ça marchait plus. C'est parce que j'étais en caps lock. Et on n'a plus de musique. T'es où la musique? Voilà. Alors, Webmin, le truc qui te fusillait les fichiers de conf. Ouais, c'est ça. Ah, mais il est toujours développé. Ça, c'est classe. Ça, c'est classe. Voyons voir un peu à quoi ressemblent les dernières versions. Ok. Webmin a fait des progrès. Salut à toi, Gizmo. J'espère que tu vas bien. Oh, Webmin a fait des progrès. C'est quand même. Alors, voyons un peu voir. Ah ouais. Ah, j'avoue, Webmin en 2023, c'est un peu plus sexy qu'en 1996, hein. Ah bon, ça reste quand même le grand. Bon, ça reste. Alors, Nidouille, je n'en ai pas la moindre idée, mais de mémoire, Webmin est en Perl, et un autre projet en Perl fait par un Français, c'est AWStat. Qui est toujours maintenu, d'ailleurs. Par Laurent de Tailleur, si je ne dis pas de bêtises. Après, très clairement, l'interface d'AWStat, elle est restée dans les années 90, hein. Mais comme on dit toujours, patches welcome. Ouais, bon, ça reste quand même le même principe, j'ai l'impression. Ouais, bon, ça reste. Les noms de soft. Dans un EHPAD de l'admin 6. Ouais, effectivement. C'est pour ça aussi que j'essaie de regarder s'il n'y a pas des trucs un petit peu récents quand même. Toujours une load. Ah, il a généré une clé SSH. Ok. Il n'avait pas réussi à arrêter NTP. Ok. Salt. Wait. Wait. Il veut salter ma machine? Tiens, je sais pas qui c'est qui parlait d'EHPAD et qui parle de Mandriva, mais moi j'ai connu l'époque où c'était Mandrake. Hein. Hein, dans la catégorie je suis un ancien. Qui ici a adhéré au club, hein, le club Mandrake, le club Mandriva, hein. Moi j'ai payé ma distrib Linux, madame, monsieur. Ni tout. Pas de soucis, Manon. Bonne fin de voyage. J'espère que tu n'auras pas trop froid. Quel âge j'ai? Eh ben, figure-toi que je vais sur mes 40. Je suis à la fin de mes 39. Ça va parler des Linux édités par les logiciels du soleil. Ah ça, par contre, je crois pas avoir connu les logiciels du soleil. Ça sent la naphtaline. Ah, la load est descendue.
Qu'est-ce qu'il fait cette fois-ci? Warning. Salt, tu... c'est... J'ai l'impression qu'on peut pas voir de salt sans voir des warning Python. C'est fou, ça. Linux vendu à la FNAC vers 96... Ah non, j'ai pas été à ce point-là, mais... Mais oui, les magazines avec... les magazines avec... avec un CD Linux, ouais, j'ai connu. Hein. J'ai connu. Alors, The Jeu 2, un Open Media... Ah, merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil. Ouais, Open Media Vault, ouais, bon, bah oui... On va jouer un peu avec, quoi, enfin, s'il veut bien finir de s'installer. Et là, on regarde quand même l'interface Webmin, et c'est vrai que, ouais, franchement, en fait, ouais, c'est un peu plus joli, mais ça reste quand même les mêmes concepts. Ils ont pas l'air d'avoir réellement révolutionné chez Webmin. Hein. Ils ont juste mis un joli thème, en fait. Mais oui, voilà, le principe reste le même, tu peux éditer les fichiers de conf. Enfin... Alain B, quand il a débuté, Linux n'existait pas encore. Ah, c'est gentil, Alain. Je me sens jeune, maintenant. Ah, tout de suite, je me sens beaucoup plus jeune. Ouais, non, vraiment... Ouais, en fait, Webmin, c'est pas que... Comment dire? Ça a pas changé, c'est juste... Ok, c'est un peu plus joli... il a mis l'interface graphique au goût du jour en termes de... comment dire? En termes de... Ah ouais, le file manager, ouais, non. Ouais, il a amélioré un peu niveau graphique, mais ça reste... ça reste Webmin. Ça n'a pas fondamentalement changé, en fait. Tu voudrais bien avoir un cockpit sur une Debian pour gérer ton parc de Debian Ubuntu et éventuellement... Proxmox. Alors, je sais pas si Cockpit risque pas d'interférer avec Proxmox. Ah, pas de Cockpit sur un Proxmox. Ah, Nidouit a essayé, c'est ça? Les deux s'aiment pas. Les deux prennent des ressources. Bref, ouais, bah... ouais, donc Webmin, ouais, ça ressemble... Enfin, c'est Webmin, ok. On ne bidouille pas un hyperviseur. Bah, dans ce cas-là, Gizmo, rien ne t'empêche d'utiliser Cockpit à la place de, à la place de Proxmox. Mais que les choses soient très claires, tu n'auras pas toutes les fonctionnalités que tu peux attendre d'un Proxmox. Mais gérer quelques VM... est-ce que je peux pas vous montrer une... Ouais, non, si je vous montre la machine et que je vous montre son nom, ça va pas le faire. Oui, voilà, Cockpit gère très bien KVM et Docker, oui. Bref, donc on peut aller jeter un œil à la liste fournie par, par Nidouille sur sa page perso. Donc n'hésitez pas à aller visiter son site. Bon, first time GUI logon. On n'y est pas encore, hein. On n'y est pas encore, hein. Punaise. Je pensais pas que j'allais devoir meubler pendant 30 minutes. Eh, c'est que ça bosse, hein, mine de rien. Je note un truc quand même, parce que je m'étais dit, ce genre de projet, ça va aller vite. Je vais peut-être pouvoir boucler ça en... en un live de 2 heures. Et en fait, bah déjà d'une, le temps que je raconte le projet, de deux, on prépare la clé, on lance le truc il nous raconte 30 minutes de setup. Moi qui me disais c'est un projet que je peux boucler en un live. Et ben en fait... et ben en fait... Je crois que j'aurais peut-être mieux fait de me taire. Tu as voulu débaucher Nidouille pour la faire venir à Montpellier, mais elle préfère Nantes. Sacré Gizmo. Je...
Ah, c'est joli aussi Montpellier. Nantes aussi, c'est pas mal. Enfin, j'ai plus l'habitude de Nantes que de Montpellier, mais... Ce qui est un peu ennuyeux quand même avec ce truc, c'est qu'il donne même pas de pourcentage en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire, Nidouille, c'est de la private joke là. Est-ce que tu penses que je peux expliquer ce qu'on veut dire par frigro, Nidouille? Je pense que ça va aider. Alors. Pour celles et ceux qui se posent la question, effectivement, et Gizmo met le doigt dessus, il se trouve que, il y a des bureaux de FreePro du côté de Nantes. Anciennement, en fait, alors il s'appelle maintenant FreePro, mais avant il s'appelait Jaguar Network. Et ça fait longtemps qu'ils appartiennent au groupe Iliad, et donc ils ont été ramenés sous la bannière Free en tant que FreePro. Donc, à partir de là, il y a des gens qui, de façon affectueuse, les appellent Free Gros. Je vais en profiter, tiens, pendant que ça continue de mouliner, hein, on va se faire un petit peu de pub pour soi-même. Et je vais me remettre comme ça. J'en profite donc pour vous rappeler que entre deux lives, il est possible de dialoguer ensemble. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais mis les liens qu'on a vus là dans le live, qu'on a copié-collé dans le chat, que je les avais mis dans les liens du live. Les liens du live, il se trouve que bah, c'est en fait un canal sur le serveur Discord de la chaîne. Serveur dont vous avez l'adresse en dessous et dont l'entrée est accessible à toutes et à tous. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour entre deux lives, on peut discuter. D'ailleurs, il y a même une conversation à propos de dons de matériel en ce moment même. Enfin, en tout cas, si jamais vous regardez la vidéo en VOD, c'est pas au moment où vous la regardez qu'il y a une conversation, mais bref, vous aurez compris le principe. Vous pouvez aussi me retrouver entre les lives sur les réseaux sociaux. Cela se fait assez simplement. Vous avez ici déjà Twitter et Instagram, mais je suis aussi présent sur Mastodon, bien entendu. Vous pouvez retrouver assez facilement les liens vers toute ma présence sur les réseaux sociaux. Exactement, merci Arthur le Viking de le faire pour moi. De faire point d'exclamation socials. Vous allez tomber sur ma page perso, anotherhomepage.org, qui vous donne l'adresse de mes réseaux sociaux, mais aussi de quelques petits services que j'ai décidé, entre guillemets, d'offrir à la communauté. Et si jamais vous voulez vous en servir, il n'y a pas de souci. Vous trouverez aussi sur anotherhomepage.org, si jamais vous n'avez pas envie de me... comment dire? Tiens, d'ailleurs, je l'ai... Ah non, tiens, je l'ai pas mis. Oh, fichtre! À force que je le rajoute. À force que je rajoute ça. Vous aurez, par contre, la chaîne YouTube où vous retrouverez des anciennes, très anciennes vidéos. Vous retrouverez mon profil GitHub sur lequel vous allez aussi retrouver les codes sources de ce que je fais quand je fais des codes sources sur certains projets. Eh bien, j'essaye de les mettre dans des dépôts Git. Sur GitHub, et donc vous pouvez comme ça facilement voir tous mes projets qui sont généralement sous licence libre, et je dirais même, pour être exact, sous licence BSD 3 Clause. Voili, voilou, je vais pas non plus déblatérer pendant des heures. Le lien vers PrivateBean ne fonctionne pas. Bah écoute, je vais te le poster dans le chat, c'est bizarre ça. Chez moi ça marche, mais... Est-ce que si je fais un refresh, ouais, ça a l'air de fonctionner. Y a un souci dans l'URL, Mister Slayer, ou... ça te dit un petit by response. Ah. Chelou. Peut-être bloqué par ton Adaway. Ah, page bloquée.
Ok, bah c'est bon à savoir et c'est justement la raison pour laquelle j'apprécie de signaler que j'ai ce genre de choses, enfin que j'ai des services comme ça, c'est que si jamais ça ne marche pas pour vous, et ben je suis intéressé par les retours. Donc n'hésitez pas à me faire signe bah, quand vous avez des soucis, là ce que vous êtes en train de me dire, ce qui est cool, c'est, j'ai envie de dire, les retours sont toujours instructifs et constructifs. On va peut-être pas faire de, on va peut-être pas faire de, comment dire, de debug en direct. Le paste pour moteur télécom n'autorise pas la connexion. Ah oui, ça c'est. Alors, je serais curieux, Mister Slayer, que tu me dises que tu me donnes des infos supplémentaires. Effectivement, si tu as des bloqueurs divers et variés, les messages d'erreur, a priori, tu me les donnes. Pour information, le comment dire, le serveur, j'ai fait en sorte d'avoir les recommandations du projet upstream, qui est donc effectivement un private bin, et il y a notamment les content security policies qui sont installés. Ah, ça me rassure, Gizmo. Ça me rassure. Moi, je n'utilise pas The Way, Mr. Slayer. Donc, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Et je suis en train, pendant ce temps, de voir sur mon autre écran la suite de l'installation de Open Media Vault. Effectivement, je reconnais Salt. Je vois qu'il a lancé, un State Salt. Ok. C'est une manière comme une autre de prévoir le truc. Alors je veux bien Mister Slayer. Et à Haribo, pareil, n'hésite pas à me donner des infos si tu. Parce que justement, j'ai envie de fournir un service à tout le monde. Je pense effectivement au paste, je pense au girafo. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Bien, alors. Pendant ce temps, est-ce qu'on va espérer que ça se finisse avant la fin du live? Parce que s'il m'a dit que le State Salt a fini, on va peut-être penser que ça se. Hop, si je reviens ici. Voilà, hein. Succeeded. Il a fait 4 changements. Fail de 0. Il a lancé 7 states. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Alors, Krabs, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que j'ai fait de la pub pour mes services perso et visiblement ça ne marche pas chez tout le monde. Et il se trouve que l'installation est toujours en cours. Il se trouve que l'installation est toujours en cours. Stream attente. C'est voilà. J'attends que ça se passe. J'aurais peut-être dû utiliser un Raspberry Pi version 4. Vendre un rein pour obtenir un Raspberry Pi 4. Stream Child sur 4 jours. Pas de soucis, Mister Slayer. Merci encore de ta présence et n'hésite pas à me faire signe sur les soucis que tu as vus pour le service de Pastebin. C'est dommage de ne pas compiler les liens du live sur une page web. Alors Gizmo, les liens du live sont sur un chan. Sur le chat, sur le Discord. Maintenant, les mettre sur une page web, je sais pas trop. Même Discord a un problème, t'as la poisse. Ah mince! Bon, on va espérer que ce soit temporaire. Ciao à toi, encore merci d'être passé. Krabs qui propose une petite musique d'ascenseur. Bah oui, effectivement. J'ai envie de croire que la musique que je vous passe est un petit peu plus sympa que juste de la musique d'ascenseur. Alors, pour être honnête, Alain B, j'essaye de faire avec ce que j'ai et de limiter les achats. Donc, j'ai quelques Raspberry Pi V2 et un V3
qui entre guillemets, je vais pas dire traînent dans un tiroir, mais qui me servent de temps en temps. Et globalement, j'en suis assez satisfait. Nous recherchons votre correspondant, veuillez patienter. Belle phrase, Nidoui. Tiens, encore du State Salt. Eh ben. Mais ouais, Alain B, c'est vrai que si vraiment j'ai besoin d'un peu de patate, ouais, le Orange Pie, ça peut être une idée. Eh, hey, mais il y a du monde sur le Discord qui arrive à l'instant. Je sais pas si vous entendez en plus les petits bips. Ah, le Pine 64. Alors, le Pine 64, je vais vous en parler. Alors, pas forcément du Pine 64. Mais je vais vous montrer autre chose. Hop, allez, on va repasser sur... hop, cette vue-là. Et oui, effectivement, le laptop. Hey, salut à toi, Camille Iris. Bienvenue. Tu voulais le faire la dernière fois, t'avais oublié. Oublié quoi? Le petit 10 pouces ARM. Alors, 11 pouces pour être exact. Et le voici, le voilà. Avec déjà quelques stickers que vous devriez reconnaître assez facilement. Et donc, il s'agit effectivement du Pinebook. Du Pinebook 11 pouces. Ah, rejoindre Discord. Ah, bah écoute. Ah, bah d'ailleurs, oui, effectivement, tu as rejoint le Discord. Donc, merci d'avoir rejoint le Discord. Et en fait, ouais, voilà, c'est ça. J'arrive même pas à l'ouvrir. Je vais vous montrer, hein. Voilà. Tenez, vous savez quoi? Je vais passer en mode comme ça. Voilà. Comme ça, vous allez le voir. Voilà. Voilà la tronche du Pinebook. Donc là, en plus, là, ça... Ah non, là j'ai encore la... Mais voilà. Alors, si vous vous demandez ce qui lui est arrivé à ce petit Pinebook, pas grand-chose, en fait. Enfin, pas grand-chose. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la charnière. Ouais, il a un souci dans le coin. En fait, c'est la charnière qui a lâché. Enfin, la charnière qui a lâché. En fait, c'est qu'il y a des... En fait, la charnière est vissée avec 4 vis à cet endroit-là, 3 ou 4. Et en fait, ce sont les la partie soutien. Je peux même à la limite vous le démonter en direct. Allez, on ressort le kit iFixit. Il n'y a pas de PowerJ, c'est un logo pour un admin net. Alors, Gizmo, quand je l'ai pris, le Pinebook, je l'ai pris avec un... Avec une... comment dire? Je l'ai pris avec... avec voilà, c'est ça, avec un adaptateur USB Ethernet. Alors attention, tiens, je vais couper le micro pour vous éviter le bruit du kit iFixit. Voilà, alors. Hop. Allez, viens voir par là la petite webcam. Hop. Salut PDP Maker! Bienvenue. Alors, hop. Alors, PDP Maker, à la base, j'étais en train d'installer Open Media Vault sur un Raspberry Pi 2. Et il se trouve que l'installation dure très longtemps. Donc, je meuble, en fait. Et pour meubler, on a commencé à parler d'autres cartes ARM parce que bah, les Raspberry Pi 4 sont introuvables. Et je voulais vous parler aussi, dans le genre truc sous ARM, de mon Pinebook. Et franchement, ça me fait de la peine. Alors attention, les... Ah, c'est pas les mêmes tailles. C'est un peu dommage, ça. Alors oui, vous voyez ma main en gros. Désolé. Hop. Souris MX518. Non. Non, c'est une M705. Donc celui-là, il est à droite. Hop. Hop.
ce qui est bien pour le matos de chez Pine 64, c'est le côté pièce détachée. J'aimerais pouvoir en dire autant, Nidouille. Malheureusement, alors j'ai sans doute essayé de les contacter au mauvais moment, mais je pense que je vais devoir les relancer parce que en fait, je voulais justement racheter un case pour le Pinebook. Hop. Je voulais racheter un top case pour le Pinebook parce qu'en plus, vous allez voir, le plastique, il vieillit pas super bien. Et hop. Ouais, ben, je t'avoue que j'avais pas le temps d'aller au Fosdem, Nidouille. Mais voilà. Voilà la tête du... voilà, la charnière. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, voilà. Là. Le truc s'est arraché. Voilà. Et si vous voulez voir en plus, je crois que c'est ici où le plastique commence déjà... Ici, là, j'ai déjà une fissure. Alors, que les choses soient très claires. Il s'agit du Pinebook 11 pouces. 11 pouces Full HD. Il a un écran Full HD. Alors, si ils l'ont, en fait, en fait, faut que je remplace le top case. Il faut que je remplace le top case, Nidouille. Donc, ils ont le top case sur leur site. Mais en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut les contacter pour les stocks. Et voilà, et comme le truc, il est... Hop, voilà. Et en fait, il faut les contacter. Et malheureusement, quand je les ai contactés, c'était le Nouvel An chinois. Donc, ils étaient occupés à autre chose. Salut à toi, Yoda. Hop. Alors, il ajoute ETH0 à la base de données Open Media Vault. Ok, c'est plutôt sympa. Donc, Yoda, pour te dire où est-ce qu'on en était, globalement, il se trouve que... Tiens, d'ailleurs, je vais pouvoir remettre. Hop, pendant que je... Salut à toi, Kambesh. Tu comprends pas l'engouement pour le Raspberry Pi alors qu'il y a mieux pour le même prix. En fait, ce qui se passe, Kambesh, c'est que le Raspberry Pi, il a créé, on va dire, un standard de fait. Et il a créé un précédent. Et donc, ce qui se passe... c'est que à partir de là, tu as... Oh là ! Oh, c'est quoi cette avalanche ? Oh, merci, Nidouille ! Merci ! Merci beaucoup pour tout le monde ! Ah, oh, t'es trop chouette, Nidouille ! Ah, oh, tu me... Ah, oh, tu me... Oh là là ! Eh, hey, Nidouille, t'es là... T'es la top gifteuse là normalement, c'est ça? Je vois pas où est le top. C'est trop la fête, mais franchement, merci. Alors, à qui tu as offert tout ça? À qui tu as offert tout ça? Alors, Nidouille, tu as offert un tier 1 sub à Nebed. Donc, merci Nidouille pour Nebed. Merci encore Nidouille pour El Longo de la Vega. Merci aussi pour Ludolpif. C'est génial! Et merci aussi pour Yoda! Voilà, voilà! Ça, c'est trop chouette! Tu crois que tu es dans le top? Bah écoute, c'est pas mal! Aider! Oh, c'est trop chouette! Merci beaucoup, Nidouille! Hop! Allez, on referme le... Alors, j'ai une bonne nouvelle. Bah, salut, El Longo de la Vega. Bah, il n'y a pas de souci, tu as le droit d'être silencieux. Même si tu es silencieux, il n'y a pas de souci. Moi, pendant ce temps, je revisse mon... Hop. Je revisse le Pinebook. Alors, je crois qu'il me manque déjà une vis. Ou deux. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Hop.
Hop là, voilà. Bon, c'est pas ouf, mais au moins il est revissé proprement. Hop là. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est revenir déjà d'une ici. Alors, bonne nouvelle. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas offert d'abonnement. C'est gentil, Midouille. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton soutien. C'est le genre de soutien qui permet, qui permet de financer notamment certaines de mes certains des projets de live. Je pense notamment justement au projet du Home Lab que j'ai de fait pour le moment mis en pause. Figurez-vous que grâce à la comment dire. Ben grâce à vos contributions, j'ai commandé un premier ventirad que je vais essayer de monter très probablement hors stream pour voir s'il passe sur le nouveau Home Lab. Et s'il passe, j'en commanderai un deuxième. Et j'espère ensuite pouvoir. Ah, bah tiens, il y a encore une vis. Et à ce moment-là, on pourra envisager. Non, pas du Noctua. J'ai pris un mince. J'ai pris un Bequiet. Voilà, c'est ça, un Bequiet. Comme le boîtier. Oui, très sans doute, ouais, effectivement, très sans doute. Eh, vous savez quoi? Pendant ce temps, le Raspberry Pi, il a redémarré. Donc normalement, l'installation est terminée. C'est plutôt bon signe, ça. Ça veut dire que on va au moins avoir une interface. Allez, on revient comme ça. S'il veut bien. Ah, déjà, est-ce qu'il ping? Alors, déjà, il ne ping pas. Il prend son temps. Alors, on va se mettre sur la carte de capture. Under voltage detected. Donc ça veut dire que mon chargeur, mon vieux chargeur n'est pas assez puissant. Et pour le moment, j'ai toujours pas. Ah oui, c'est normal, il a changé d'IP. Il a changé d'IP, il a pris la 219. Le vilain. Allez, je vais changer au niveau de mon SSH config. Hop, on va se remettre. Ouais, le Raspberry en PLS, tout à fait Nidouille. C'est absolument ça. Peanuts. Allez. Ah, punaise, j'avais encore une. Allez, on lui dit ça, tu dégages aussi. Et normalement, il accepte la clé. Voilà. Alors, sudo. Sudo top juste au cas où 005. Non, il est pour l'instant il est pas en PLS. La tension risque de tomber trop bas avec les transferts réseau et USB. Tout à fait. Après, il est déjà 19h54 et c'est dommage. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je ferai un épisode 2, hein, pour être honnête. Mais on va déjà essayer d'aller sur l'interface web. Donc on a dit 192, 168, 6, 219. Connexion a échoué. Ou en HTTP peut-être. Ouais, en HTTP. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? First time GUI logon. Admin Open Media Vault. Allez, admin. Open Media Vault. Le ventirad du serveur ira sur la Raspberry pour les transferts. Qu'est-ce que j'utilise comme stockage pour le RP HDD USB? Non, des clés USB. Tiens, d'ailleurs, ce que je vais faire, je pense que ça n'aide pas pour le voltage. Je viens de débrancher le clavier. Hop.
D'ailleurs, allons-y. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Après que le script est fini, blablabla. Ok, rechecker. Oui, effectivement, une nouvelle adresse IP a été assignée. C'est le cas. Et on va ajouter des add-ons tout de suite. Parce que ça, c'est le premier truc que je voudrais adresser. Ah tiens, déjà le truc est en français par défaut, c'est cool. Et plugin. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse dans les plugins. Alors, je vais fermer ça. Et on va zoomer un peu. Voilà. Et ce que je voudrais trouver, c'est pas l'auto-shutdown. Ah, des trucs de backup, c'est cool. Clamavé, c'est cool aussi. Mais en fait, ce que je veux. Pas de soucis, Nidouille. C'est très gentil d'être passé. Encore merci à toi. Merci pour les subs offerts. C'était très gentil. Bonne soirée à toi aussi. Bonne fin de week-end. Et bon début de semaine. Il y a un plugin que je veux installer. Hop, je remonte parce que je veux vous montrer dans les plugins. Il dit. Non, il dit rien là-dedans. Je crois que pourtant c'était là-dedans. Il parle d'un plugin RAM quelque chose. Non. Plugin. Hey, merci beaucoup pour le follow PDP Maker. C'est très gentil, merci à toi. Tiens, bah tu sais quoi, on va peut-être faire même un petit shootout pour PDP Maker. Parce que l'autre soir, je l'ai raidé. Hop. Et il fait des trucs sympas. Alors. Voilà, Flash Memory, c'est ça que je voulais. Donc, Flash Memory, allons-y. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Ah, il est déjà installé. Parfait. Donc, en gros, le principe, c'est quoi? C'est qu'il va gérer un certain nombre de fichiers temporaires qui, d'habitude, sont écrits sur le disque de l'OS. Et en fait, là, il les met en RAM. Mais je t'en prie, PDP Maker, ça me fait plaisir. Donc en gros, voilà, on installe ça et ça permet d'avoir le système OMV, Open Media Vault, qui est installé sur soit une clé USB, soit une carte SD, ce qui est notre cas. Donc de cette façon, en ayant des trucs en RAM disque plutôt que sur le système, et ben on va pouvoir quelque part améliorer la durée de vie de notre stockage. Bon, après, pour les clés USB qui vont servir pour la data, bon, c'est pas garanti. Mais ça, c'est fait. Et a priori, c'est fait par défaut parce qu'il a détecté que c'était un Raspberry Pi, sans doute. Installation, ça, c'est fait. Ah, mais ça, c'était l'installation du plugin. Moi, ce que je voulais, c'était revenir sur ça. Hop, first time login. Donc, ça, c'est bon, on l'a fait. Les updates, bah, de toute façon, il a installé les derniers trucs. Tac, tac, finish up. Donc ça, la mettre en... Ouais, ça, on verra plus tard. Et donc, le setup, getting started. Hop. Et tous les utilisateurs doivent... Regarde ça, utilitaire. Maintenant, c'est backup. Oui. OK. Alors. Salut, Jérém. Bienvenue à toi. C'est très gentil de passer. Stockage disque. Bah ça va très bien, écoute, on est sur la fin du live, hein, pour être complètement transparent. Je pense que je vais finir d'ici 5-10 minutes. Mais il n'y a pas de souci, hein, tu pourras toujours regarder le live en accéléré, en replay. Il est là pendant 2 semaines. Ah, oh, merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil à toi. Donc on a 2 clés USB, ok, c'est cool. Elles sont là, les 2 Data Travelers. Et si jamais... Si je fais raid logiciel, hop, et que je fais créer, on va créer un raid miroir. C'est pas bête ça, tiens, qu'ils indiquent miroir et stripe au lieu de raid 1 et 0.
Qu'est-ce que c'est qu'un NAS? C'est une excellente question, Jérém. Alors, NAS, ça veut dire Network Attached Storage. Storage, pardon, désolé pour le mauvais accent. En gros, le principe, c'est de pouvoir rendre disponible sur le réseau du stockage de données. C'est-à-dire que, en gros, un NAS, c'est un appareil. Alors, pas forcément un serveur au sens gros serveur de data center, mais ça peut être un ordinateur réutilisé pour ça, dans lequel tu vas mettre une certaine quantité de disques. Ça peut aller de 1 à beaucoup. Et tu vas mettre ou pas de la redondance. Et en fait, ce stockage-là, tu peux le partager sur le réseau via différents protocoles. Et donc, il existe plusieurs manières de faire. Tu peux acheter un NAS prêt à l'emploi comme les solutions, je pense, de Azure Store, Synology, QNAP et autres, qui vont te proposer un produit clé en main dans lequel tu as juste à ajouter tes disques, voire même ils te proposent des packs avec des disques inclus. Ou alors, tu peux utiliser un PC d'ancienne génération pour t'en servir comme NAS. Et effectivement, ça devient un serveur au sens utilitaire du terme, mais pas au sens produit. Sélectionner un périphérique. Sélectionner les périphériques qui seront... Ce champ est obligatoire, deux périphériques sont nécessaires au minimum. Alors si je veux faire créer... Non, c'est ça, ouais, Red Logiciel. Et il n'envoie pas les... linéaires. Il pense que mes clés USB sont pas assez bonnes, c'est ça? Allez, vas-y, sois pas... Ben oui, je veux les annuler. Disque. Hop. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Modifier. Périphérique. Nanana, désactiver. Nanana, cette fonction. Nanana. Ok. Effacer. Si je fais ça, je fais effacer. Rapide, hein. De toute façon, c'est des clés USB. Je voudrais au moins essayer avant la fin du live de... ok, là il a fini. Au moins de pouvoir faire cette partie raid. End of line. Ok, cool. Ok, cool. Voilà. Donc ça c'est bon. Raid logiciel. Maintenant, je veux en créer un. Je veux créer un miroir. Et là, toujours pas de périphérique. Les périphériques... Ah, il a dit quoi? Il a dit les périphériques USB ne sont pas affichés, pas assez fiables. Le vilain. Le vilain. Ah, il affiche. Voilà. Les périphériques USB... Ah, punaise. Bon, on revient en arrière. Voilà, il le dit ici. Je vais zoomer. Les périphériques USB ne sont pas affichés, pas assez fiables. Ok. Ok, et eh ben c'est pas gentil, c'est pas gentil Open Media Vault. Hein. Alors si jamais je cherche OMV USB RAID, genre admettons que je suis un quote from damn forum. Option a été désactivée. Gone bad ID. Alors je suis désolé, on voit pas grand chose à l'écran. Parce que leur truc est franchement. Utiliser USB. Oui, mais c'est pas des valuables data que je vais essayer. Primitive MDRED 1, tu perds un disque pour almost nothing. Oh, il exagère. Tu prends nanana, skip backup. Oui, mais non, je sais ce que je fais. Air Snapshot plugin. Ah, pff, ouais, ok, soit. Might as well just delete your data now and save yourself the hassle. Oh, ça c'est franchement moche.
Oui, c'est vrai. Le mec, la première phrase qu'il dit, c'est j'aime pas les forums, et l'autre il fait ah bah oui. Ah, on peut faire du Docker sur Open Media Vault. Ok. Et le plugin AirSnapshot en alternative au RAID. Ok, donc en gros, ce qu'il propose, c'est d'utiliser le plugin pour un logiciel qui s'appelle AirSnapshot. AirSnapshot, c'est un petit soft assez sympa dont je vais vous parler avant qu'on rende l'antenne, comme on disait à une époque. Il s'agit d'un logiciel de backup. Et c'est un logiciel de backup assez sympa. Je vais vous le mettre dans les liens du... Hop, je vais vous le mettre ici. Je vais vous le mettre dans les liens du live aussi. Hop là. Et donc en fait, le principe, c'est qu'il est basé sur AirSync. Et en gros, le principe, c'est que AirSnapshot, il permet de faire des instantanés assez facilement. Il va vous faire une synchro, en fait. La première fois, il va vous faire une synchro. Et puis ensuite, la deuxième fois, en fait, il va vous mettre ça dans un autre répertoire. Il va commencer par entre guillemets, dupliquer ce répertoire. Mais il va pas vraiment le dupliquer. Il va utiliser des liens, pas des liens symboliques, mais des liens, des hard links. Et ensuite, une fois qu'il aura fait les hard links et qu'il aura entre guillemets dupliqué les deux arborescences, eh ben il va faire la nouvelle synchro en se basant sur la nouvelle arborescence, ce qui est assez futé et ce qui permet comme ça de gagner de la place quand on fait de la sauvegarde. Donc franchement, moi je l'utilise pour faire des sauvegardes. Oui, lien physique, merci Yoda. Moi je l'utilise pour faire des sauvegardes de serveur à titre perso. C'est super pratique. Moi j'aime beaucoup. Alors on peut effectivement le faire avec AirSync tout court, mais je trouve que la manière de faire de AirSnapshot est plutôt pas mal. Et ça vaut le coup de jeter un œil. Et surtout voilà, de pouvoir faire voilà, du sauvegarde de machine à distance via SSH. Je trouve ça assez. Ça m'évite d'avoir à faire l'intelligence moi-même des répertoires de sauvegarde. J'aime beaucoup. Alors, El Longo de la Vegas qui nous rappelle que donc un NAS, oui, c'est un serveur de fichiers qui permet d'être utile pour la sauvegarde des photos, par exemple. Mais ce qui compte, c'est le nombre de disques durs que tu peux y gérer. Avec TrueNAS, par exemple, tu peux convertir un ancien PC. Oui, tout à fait. Moi, j'utilise TrueNAS et en fait, j'ai investi dans du matériel. J'avais acheté à l'époque une machine pour ça. Ok, très bien. Eh bien, ce que je vous propose, c'est que on va en rester là pour ce soir. J'espérais à la base faire un live qui ne dure qu'un seul, enfin un projet qui ne dure qu'un seul live, parce que je ne suis pas sûr d'assurer le live dimanche prochain. Ah oui, d'accord, il y a des widgets. C'est cool, ça. Eh ben, bisous à toi aussi, Krabs. Hop. Donc, bon, je vais pas refaire une nouvelle fois le coup du... au fait, entre les lives, hein, vous avez déjà eu le discours, je vais pas vous le répéter, donc n'hésitez pas à faire point d'exclamation socials pour voir toute ma présence sur les réseaux sociaux. Je stream habituellement les jeudis de 20h à 22h et les dimanches de 18h à 20h. Et on a démarré donc ce nouveau projet du NAS avec un Raspberry Pi. J'espère que ça vous amuse, j'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas, ça m'intéresse pas mal. Et sinon, ben, le projet des jeudis en ce moment, c'est de vouloir faire de l'automatisation de conteneurs dans une machine virtuelle. On utilise Podman qui est compatible Docker pour ça. Voili voilou. Est-ce que par hasard il y a quelqu'un à aller raider? Eh bien figurez-vous que comme à son habitude, Adrien de LinuxTrix est au rendez-vous pour un peu de musique. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille rejoindre Adrien comme tous les dimanches. Et comme tous les dimanches, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'écran de fin de live, mais restez là pour le raid, pour aller soutenir Adrien. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon début de semaine.
Je vous donne rendez-vous jeudi prochain et peut-être dimanche prochain. Restez à l'affût du Discord pour voir si je pourrais faire le live dimanche prochain. Ciao, ciao!